Salut à tous et à tous, c'est Kizae. Et oui, me revoilà après une longue, très longue absence, qui a duré quand même à peu près, aussi à peu près un mois quasiment, parce que je vous avais quitté en début décembre. Nous voici en janvier, prêts à repartir donc pour de nouvelles aventures. Bon, il n'y a pas tous les problèmes qui ont été résolus. Il n'y a pour l'instant que le problème lié au travail qui a été résolu. Les deux autres restent toujours permanents. Mais bon voilà, je pense que. Non, c'est pas je pense, c'est. Je vais quand même nettement mieux que par rapport à décembre. Donc voilà, je vous reprends. Enfin pour la suite de mes vidéos. Et de KH2, j'espère que la vidéo annonce retour vous aura fait plaisir. Et j'espère surtout que les projets que j'ai annoncés dedans, notamment celui du Let's Play Live de Phoenix Wright, vous a plu et vous intéresse particulièrement. Alors, attendez juste 30 secondes. Je vais recharger le casque. Voilà, c'est mieux comme ça. Quand on recharge le casque. Alors, on s'était quitté la dernière fois après le duel avec Ossa, après avoir terminé le monde de Pirates des Caraïbes. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au prochain monde qui est celui d'Agrabah, donc le monde d'Aladin. Pour ce faire, on s'attaque à. Je sais plus le nom de cette route céleste, je crois que c'est l'autoroute justement. L'autoroute de je sais plus trop quoi. Passage assez stylé, j'aime bien cette phase, personnellement. Surtout aussi la musique derrière qui est excellentissime. J'adore cette musique. Bien dynamique. Et franchement, les phases. Je me répète encore une fois, j'essaie depuis le temps, mais les phases Gumi de KH2 sont quand même beaucoup plus épiques que dans le 1. Vous n'allez pas me dire le contraire. Franchement. On est tous d'accord pour dire que les phases de shoot de KH2 sont quand même beaucoup plus épiques que celles de KH1. Et bon, entre temps, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Je pense que je l'aurais sûrement dit dans la vidéo retour, mais entre temps, à Noël, je me suis payé une PS3 que j'ai acheté à mon boulot pour, bon, pour quasi rien, vu que j'ai le rabais du personnel. Et franchement, foi. Énorme cette console. Oui, je la prends en fin de vie, je la prends alors que la PS4 est sortie, mais le truc c'est que pour l'instant sur la PS4, il n'y a pas masse de jeux qui m'intéressent. Surtout celui qui m'intéresse le plus, donc KH3. On sait juste qu'il est en cours de développement, à mon avis avant 2015 on le verra pas. Et oui, il faut encore que je remercie. Enfin oui, il faut que je remercie Mim parce que c'est lui qui a insisté pour que je me prenne quand même la PS3 en attendant. La 4, attendant KH et tout. Donc Mime, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Merci à toi encore d'avoir insisté pour que je me la prenne la PS3. Enfin, parce que c'est vrai que c'est vraiment une bonne console. Actuellement j'ai The Last of Us comme jeu. KH 1.5. Donc Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Bon ça c'est normal, hein, ça c'était prévisible que je le prenne. Et j'ai foiré les deux One Piece Pirate Warriors pour l'instant, donc One Piece Pirate Warriors 1 et 2, ainsi que pour mon Gran Turismo 6, mais comme je suis pas du tout fan des jeux de caisse, ce jeu là ne va même pas sortir, je vais même pas le déballer du blister, hein. Je vais même pas ouvrir le petit plastique qui entoure la boîte de jeu, il va rester là où il est sagement, parce que franchement Gran Turismo c'est clairement pas le style de jeu qui m'intéresse, mais alors clairement pas du tout. Donc ça restera bien gentiment où c'est. Et voilà. Actuellement je suis plus à fond, je pense que vous en doutez, sur KH. Donc Kingdom Hearts 5.5 HD. J'attends le 2.5 qui sort. Mais bon le truc c'est que maintenant vu que je me suis chopé la PS3 quasiment en fin de vie. J'ai quasiment 6, 7 années de jeux à rattraper. Et ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a énormément d'RPG que je dois rattraper. Il y a des Tales of, il y a FF13, il y a un chier de jeu que j'ai rattrapé. Mais bon, on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, on termine ce que j'ai à faire sur la Play 2 avant d'attaquer les Let's Play Wii et Let's Play sur la Play 3. Donc on va atterrir à Agrabah. On va dire pseudo nouveau monde dans un sens, parce que nouveau monde, parce que dans le 2 on n'était pas encore allé, mais. C'est pour ça que je dis nouveau monde entre guillemets, parce que dans le 1 on y était déjà allé à Agrabah. Et voilà.
Donc c'est bien après. Donc c'est. Rappelez-vous, dans le 1, on avait emprisonné Jafar dans la lampe et tout ça, et maintenant il ne reste que Yago qui est là. Oh, je me demande comment vont Jasmine et Aladdin. Riku est peut-être avec eux? Et le roi aussi. Rappelez-vous, ça fait un moment, je sais, mais bon, Sora est toujours à la recherche de Riku. Et Donald et Dingo sont toujours à la recherche du roi, également. Donc on parcourt les mondes pour aller les trouver. Oh, 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 c'est c'est Yago. Yago? Non, vous vous trompez. Non, enfin si. Mais j'ai changé. J'ai tourné la page. Je suis honnête maintenant. Fini les coups tordus, promis. C'est ton nouveau baratin? Pas du tout, je vous assure. Forcément, dur de le croire après qu'il ait travaillé avec Jafar. Vous vous souvenez? J'ai réussi à m'échapper, mais j'ai nulle part où aller. Eh ben, t'es libre d'aller voler ailleurs. Oh là là, quelle bande de salauds. Il a l'air si triste. Forcément, Dingo, il va l'amadouer, il va être amadoué, tout ça. Vous pourriez peut-être glisser un mot en ma faveur. Mais bien sûr. Il y a deux autres qui sont hyper craintifs, tu sais. Ah, des nouveaux sans-cœurs. Qui ont quand même plus la classe, je trouve. Une espèce de sans-cœur bandit avec ça, avec des sabres, ça fait vraiment des. Ouais, ça fait vraiment des bandits, quoi. Des bandits égyptiens et tout, c'est vraiment stylé. Ils sont vraiment stylés, ces sans-cœurs. Bon, par contre, voilà que je m'équipe de la Keyblade que j'ai obtenue après avoir terminé le monde de Port-Royal. On va aussi fusionner avec Donald. C'est vrai que j'avais pas expliqué dans le duel avec Ossa. Donc ceci est la fusion de Donald, la fusion sagesse, qui booste considérablement ma magie. Hein, ma magie est considérablement boostée. C'est vraiment la fusion faite pour la magie, en fait. Et cette fusion-là, elle gagne des points d'expérience quand on bute des 100 cœurs. Elle, pour l'XP, il faut buter des 100 cœurs, tout simplement. Et la compétence qu'on va avoir avec celle-là, c'est ça, c'est l'espèce de dash là. Ça, comme ça. Bien sûr, plus on montera de niveau, et plus le dash sera puissant et rapide. Ah, c'était prévu. On a juste vu Donald monter de niveau, mais c'était un coup. C'était déjà calculé. Scripté, voilà, putain. Ça fait longtemps que j'ai pas commenté. Hein. Mais d'où est-ce qu'il sort? Là, heureux hasard du destin, Yago va réussir à éliminer les quelques 100 cœurs restants à cause de ses conneries. Il est quand même balèze, ce diable. Par ici. Ah là là. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, mon dieu. Ah, ça va sentir hein, sous le commentaire, c'est sûr, ça va sentir que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. On l'achappait belle, sans Yago on y passait, pas vrai les amis? On te donne une fière chandelle, Yago. Je vous le fais pas dire. Mais tu devras convaincre toi-même Aladdin et Jasmine de ta bonne foi. Alors montre-toi sous ton meilleur jour, compris? Compris. Mais au fait, où est Aladdin? Il est sûrement au palais. Alors allons-y. Normal. Allons voir Aladdin. Et on a gagné donc la carte des lieux de Agrabah. Alors, oui, il faut que je m'équipe tout de suite déjà. Hop, Keyblade, gouvernail. Bon, bah ça réduit ma magie, mais je la trouve quand même plus stylée cette Keyblade là. Elle a une plus longue portée surtout. Ouais, je préfère quand même cette Keyblade là à une autre. Spirale ascensionnelle. Oui, ça c'est pas mal. Je crois savoir ce que c'est et c'est pas mal. Alors, on va donner au mug tous les objets. Là, je ne peux rien créer. Là non plus. Et là non plus. Parfait, c'est génial, ça ne sert à rien. Pas de coffre. Alors, on se casse. Et je suis à je ne sais pas combien de temps. J'arrive pas à voir depuis mon pieu. Alors, Agrabah, Agrabah. Bon. Non, normalement, je peux pas. Il faut aller au palais, c'est ça. On va ouvrir les quelques coffres qui sont là. Pas des masses. Donc oui, comme je l'ai dit, je joue à cash 1.5 HD Remix. Et puis
Non, franchement déjà, bon, il est beau, ça c'est clair, c'est un remix HD, donc forcément qu'il est beau. Mais ils ont vraiment assuré, je trouve, parce que ils ont ajouté la même fonction que dans KH2, à savoir ouvrir les coffres avec la touche triangle. Et Dieu sait que c'est bien ça. Plus besoin de descendre dans le menu pour ouvrir les coffres. Là, on peut le faire directement, comme dans Kingdom Hearts 2. Triangle, fini, tac. Et pareil pour parler, pour porter les objets et tout, et ça ils ont franchement bien géré. Et ce que j'ai trouvé, en tout cas pour l'instant, je suis vraiment qu'au début du jeu, j'ai commencé à arriver dans le monde d'Isopédia Merveille. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils avaient mis des compétences de Chain of Memories, notamment une des premières compétences que j'ai eues qui était Rapprocheur, qui permet de, bah, comme son nom l'indique, de me rapprocher d'un ennemi qui est éloigné, et de commencer un combo. Et non, franchement, c'est excellent parce que voilà, ils ont rajouté des compétences de KH2 dans KH1, de KH Chain of Memories dans KH1, et c'est pas mal. Enfin, c'est pas juste que c'est pas mal, c'est que c'est vraiment bien. Donc j'espère, et il me semble avoir vu d'autres compétences de Chain of Memories sur KH1 Final Mix. Donc ça, on verra quand j'y avancerai suffisamment. Mais si c'est bien ça, c'est excellent. Ils ont bien géré, parce qu'il y a des compétences vraiment intéressantes dans Chain of Memories qui sont vraiment stylées, et qui pourraient être bien, et qui, placées à la fin des combos de KH1, ça pourrait être excellent, ça pourrait donner des trucs, ça pourrait donner un jeu tellement plus dynamique et plus plus cool, quoi. Et je pense qu'ils ont fait ça, donc on va voir quand j'avancerai. Après, est-ce que j'en ferai un let's play, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a des chances par contre que Bird by Sleep HD soit fait lui en let's play au lieu de Bird by Sleep normal. Bon, ça me ferait un peu chier du coup parce que j'aurais pris les caps tapés. Non, pas pour rien, parce que j'ai quand même 2-3 jeux sur PSP que j'aimerais vous faire. Et peut-être que j'en ferai d'autres après. Alors aussi, j'aimerais beaucoup remercier. Désolé, je sais que tu ne veux pas que je parle pendant les cinématiques, mais j'aimerais remercier un abonné, enfin, c'est même plus qu'un abonné maintenant, c'est un ami, c'est Falken, qui fait aussi des vidéos. Il en fait sur Halo actuellement, il a fait Halo 1 et Halo 2, il va faire tous les Halo avant Halo 5 en fait. Et j'aimerais te remercier parce que voilà, le jour où j'avais annoncé, où j'ai sorti la vidéo comme quoi je faisais une pause, on a parlé 1h30 sur Skype après. Et tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup remonté le moral en me donnant des conseils et tout ça, et franchement ça m'a fait énormément de bien. De plus, tu es quelqu'un qui suit avec rigueur mes vidéos, et je sais que tu ne commentes pas souvent, parce que voilà, je sais que tu les suis, je sais que tu les regardes, et ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir que tu me suives, voilà. Ça me fait vraiment super plaisir que tu me suives parce que... voilà, comme j'ai dit, t'es un ami pour moi, au même titre que Fabien, enfin, même titre qu'Ossa, Fabien, Mime et d'autres, hein, et GM et compagnie. Et franchement, ça me fait sacrément plaisir que tu suives mes vidéos. Bon, que tu les commentes pas, c'est pas grave, mais après, je sais que j'ai ton ressenti, pardon, sur Skype. Tu m'en parles et j'ai ton retour, donc... que tu commentes ou pas, c'est selon ton vouloir. Mais après, ça, j'avoue que ça fait vraiment du bien de savoir que tu suis mes vidéos. Donc je te remercie vraiment énormément, Falken. Et voilà, Aladdin. Alors, si tu sais pas maîtriser cette boule de poil, après, je crois que c'est 13-14 minutes. Ouais. Écoutez, je suis désolé. Abou, tu devrais avoir honte. On oublie ça? Abou. Bon, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà commencé à... Enfin, j'avais déjà essayé de pas tourner une vidéo, mais de tourner un petit peu avec les gâteaux. Désolé, pour voir. Il se trouve que j'ai remarqué qu'après avoir tourné une vidéo, la vidéo était au ralenti. Il n'a pas pu s'empêcher de voler cette lampe. Complet. Donc j'espère sincèrement que ça va pas être le cas cette fois-ci. Sinon, ça me ferait un peu chier. Parce que bon, je sais que le gâteau, ça fait des plumes que je m'en suis pas servi, mais tout de même quoi. Ça me ferait un peu chier quoi. Tu n'as pas l'air si déprimé que ça. Qui a dit que j'étais déprimé? La princesse Jasmine.
petites escapades en ville l'inquiètent beaucoup. Tu as une nouvelle petite amie? Pas du tout. Mais Jaspine a quand même remarqué quelque chose. En fait, quand le génie et le tapis sont partis découvrir le monde, j'étais très heureux pour eux. Mais à présent, tu t'ennuies. Je comprends, la vie doit être un peu trop calme sur le génie. Tu l'as dit, c'est pour ça que je viens ici, pour profiter de l'animation, enfin, les jours de marché. Et j'ai bien fait, sinon on ne se serait peut-être pas retrouvé. Ici, on fait toujours des rencontres inattendues. Sora? Yago? Ah, je l'avais oublié celui-là. Il voudrait s'excuser pour tous les ennuis qu'il a causés. Ben voyons. Regarde-le, il est si désolé qu'il tremble de tous ses membres. Cette lampe. Oui. Cette lampe magique. C'est juste un modèle qui lui ressemble. Non, j'ai passé des mois prisonnier à l'intérieur. Je la reconnaîtrai entre mille. Alors on ferait bien d'aller voir ce marchand. On te suit. Et on va intégrer Aladdin au groupe. Et sa coopération avec Sora est, je trouve, vraiment excellentissime. Par contre, elle est vraiment géniale. C'est une coopération qui fait, oui, quand même beaucoup de dégâts. Et beaucoup de combos, surtout. Vous allez voir ça. Partenariat, ça, c'est une coopération avec Dingo. Est-ce que je peux désactiver un truc Oui, booster objet, voilà. On active ça. Ça, c'est fait. Alors, Aladdin. On va trouver des sans-cœurs, il devrait en avoir. Oh mais... Aladdin, je vais attaquer avec toi. Please. Bah alors, il a pas l'auto-coopération là? Oh, bon. Alors, on va retrouver des petits sans-cœurs. Voilà, c'est plutôt. Et là, vous allez voir, la coopération avec Aladdin, elle est vraiment excellente, je trouve. C'est le moyen d'enchaîner le plus de combos entre tout fou furieux. Et voilà, c'est franchement un bon moyen d'enchaîner les combos et c'est excellent quoi. Aladdin est vraiment cheaté dans le cage de part. Ça c'est un truc de fou, il est vraiment super cheaté. Hein. Bon par contre je pense que pour une vidéo retour je vais peut-être pas faire trop long, histoire de voir si vraiment l'Elgato a pas bugué. Ouais voilà c'est bien ce que je pensais, la spirale ascensionnelle c'était bien ça. Ah putain, foiré de sans cœur. On va essayer de buter les derniers 5 coeurs. Je crois qu'il y a quand même un assez grand retard à comparer à ce que je fais. J'ai bien peur malheureusement que l'Elgato a eu un petit souci et il est un petit peu à la traîne. Ah ça m'emmerde un peu ça. Parce qu'en général s'il y a un gros retard après c'est assez chiant à corriger au montage. Bon re, normalement ça devrait être ok je crois. Je dis bien je crois. Ouf. Ouais. Bon, bah on verra ce que ça donne. Hein. On va poursuivre un petit peu. On va faire un épisode assez court je pense. Mais on va voir si ça tient. À mon avis, vu le temps que j'ai pas utilisé les gâteaux, ça m'étonnerait. Mais on verra. Hein. Si ça se trouve, c'est pas décalé du tout. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées comme d'habitude. On verra bien. Bon après je sais voilà qu'il y a toujours quelques secondes de retard mais on verra. Nous voudrions acheter cette lampe. Aucun problème, mais il va falloir y mettre le prix. D'accord. Oui, il n'y a qu'à piocher dans le trésor roi. Donald. Peut-être seriez-vous intéressé par un autre modèle. Non merci, c'est celle-ci que nous voulons. Oh je vois, en ce cas elle est à vous. Si vous m'offrez un trésor exceptionnel, quelque chose digne d'un sultan. Ça va pas de coton de trouver ça. Après, c'est peut-être moi qui me fais des idées, hein. Vu le temps que j'ai pas tourné de vidéo, c'est peut-être moi qui me fais des idées par rapport au pseudo-retard. Qu'allons-nous pouvoir lui donner? Il y aura bien quelque chose au palais, non? Mais ça ne m'appartient pas, et puis je ne tiens pas à le demander. Je ne voudrais pas inquiéter Jasmine ou le sultan. J'ai une idée. On trouvera ce qu'il nous faut dans la caverne aux merveilles.
Pas bête, Yago, tu vas nous y conduire. Et si tout se passe bien, peut-être que j'accepterai de croire à ton repentir. Tu peux compter sur moi. Bon bah, on sait ce qu'on doit faire, hein. Direction la caverne aux merveilles, et effectivement, Aladdin, tu n'as pas... tu n'as pas tout simplement l'auto-coopération, mais ça ne va pas ça, mon petit Ali. Mon petit Al. Qu'est-ce que je fais, moi, si la coopération se déclenche pas automatiquement quand on se bat? Pas. Aïe, 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 bon. À mon avis, il va falloir laisser du temps à l'Eliato de reprendre service. Y'a pas moyen de péter ça. Mais si, y'a moyen. C'est bien ce que je pensais. Voilà, comme ça on pète les échafaudages parce qu'on est des gros salauds. Non mais c'est parce qu'il y a des coffres en dessous. Enfin ils sont un peu cachés mais y'en a. Alors, de toute façon je sais qu'il y a un point de sauvegarde juste un peu plus loin. On s'arrêtera là juste après avoir pété tous les échafaudages et ouvert les coffres. Voilà, parfait. Alors Subito, comme d'hab. Ah, maintenant que j'ai la coupe avec Aladdin, ça va y aller, hein. Ça je vous le dis. Comment ça va? Couper dans tous les sens. Tac 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 tac. C'est vraiment une coopération hyper cheatée. Elle est abusément cheatée, cette coopération. Mais il faut péter les coffres, les échafaudages, comme ça vous pourrez avoir accès aux coffres. Je crois qu'il y a moyen de les péter au sol aussi. Ou alors, oui, il y a moyen, mais bon, il faut enchaîner genre les sorts, sans magique. Mais il y a moyen aussi. Je sais qu'en mettant genre ici par exemple, hop, on peut en péter 2, 3, 4 d'un coup et voilà. Voilà, comme ça on se fait beaucoup moins chier. Là ça me semble un peu abusé quand même tout ce... Oui je sais, je parle encore de ce pseudo écart entre l'Eliato et ce que fait la play, mais le truc c'est que je sais que quand ça décale après, ça va être assez galère au montage de pouvoir rattraper ça, et c'est ça qui me fait assez chier quoi, en fait. Mais je pense que c'est bon, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais comme ça me fait vraiment pas envie de taper une session de montage, ou même de devoir carrément me retaper toute la vidéo. Allez Carlitos, pour Fabien, Carlitos qui crache du feu. Mais bon, disons que j'ai pas super envie de me taper une... soit de me retaper le tournage de la vidéo en entier, soit de me taper une putain de session de montage de ouf quoi. J'aimerais autant que la vidéo soit pas bloquée, qu'il n'y ait pas de soucis. Hein. Alors là, si ça se trouve, oui, comme je dis, si ça se trouve, c'est moi qui hallucine. Et je crois sûrement que c'est ça. Ça doit sûrement être ça, ça doit sûrement être moi qui hallucine comme d'habitude. Mais voilà, c'est juste que ça me fait... c'est un peu redouter quoi. Faut quand même se dire que j'ai pas tourné depuis décembre. Ça fait presque un mois quoi. Parce que j'ai envoyé ça, c'était... exactement, je sais plus... je sais plus quel jour exactement, mais ça date un peu quoi. Ça date quand même, et ça fait vraiment vraiment longtemps que j'ai pas tourné de vidéo quoi. Donc j'espère vraiment qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Ah là là, bon. Alors on est arrivé au point de sauvegarde, c'est parfait, c'est exactement là où je voulais conclure la vidéo. Alors sauf erreur, il y a des pages de Winnie là-dedans. Ah non, un anneau, un accessoire, bah parfait. Alors un anneau strié... Mais oh, PC Max, 4 points, pardon. Parfait. Juste ce qu'il me fallait. Qu'est-ce que je vais mettre? Booster XP, non. Booster feu. Ouais, booster feu. Rien d'autre? Y'a pas d'autre coffre? Non. La caverne de merveille est truffée de pièges. Il faudra ruser pour les déjouer. Ça, ne t'en fais pas. Je n'aime pas quand Donald a ce regard-là. Je suis sûr qu'on trouvera de quoi satisfaire ce grenin de marchand dans la caverne aux merveilles.
Et peut-être qu'au passage, je pourrais récupérer un petit souvenir. Ouais, en gros, tu veux t'emparer des richesses. La caverne aux merveilles est juste au-dessous de ce gros nuage. C'est un endroit dangereux, mais ensemble, on devrait s'en sortir. Mais ça, ça sera au prochain épisode. Oui, désolé, c'est un épisode assez court, mais c'est vraiment pour vérifier que l'Elgato va bien. Enfin, fonctionne bien. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous.